Bonjour Jean. Bonjour Virginie. Alors, on peut dire que vous avez eu plusieurs vies en une. D'abord professeur d'éducation physique, et puis vous êtes directeur d'école, et là vous ouvrez une option art plastique, et c'est un petit peu la révélation. Oui, effectivement, j'ai eu trois vies. Ma première vie de professeur d'éducation physique, puis directeur de l'école, puis alors la première option qu'on a ouverte dans cette école-là s'appelait art plastique. Et pour valoriser le travail des élèves, on organisait des expositions de leurs travaux. Et puis un jour, quand j'ai vu ce que les élèves arrivaient à réaliser, je me suis dit, moi aussi, ça pourrait vraiment m'intéresser. D'autant qu'en sixième année, les élèves travaillaient la 3D, par exemple, sur du béton cellulaire, les blocs itong. Et donc, dès que j'étais retraité, j'ai d'abord rangé ma maison, j'ai acheté mon premier bloc itong, et puis j'ai commencé à travailler là-dessus. D'accord. Est-ce que c'est facile, justement, de trouver son matériau de prédilection en tant qu'artiste? Ben non, parce que je suis autodidacte, donc je n'avais aucune matière de prédilection au départ, donc il fallait que je teste. Le seul fil conducteur que j'avais, c'était j'ai besoin de sentir la matière, de la toucher, sans savoir s'il y avait un talent particulier. Donc j'ai expérimenté 6 ou 7 matériaux différents pour finalement me retrouver sur 2 matériaux principaux qui sont le métal et le tissu durci. Maintenant. D'accord. Et est-ce que dans vos œuvres, il y a un fil conducteur ou... Oui, je dirais, mais ça, c'est inconscient. On me l'a fait remarquer plus tard, à la suite d'expositions. Le fil conducteur, ça devrait être le couple. D'accord. On m'a fait remarquer ça très souvent. Le couple et puis le langage corporel, qui vient probablement de ma formation de professeur d'éducation physique. Je crois beaucoup au langage corporel. Il n'y a pas seulement la parole, il y a les gestes. Quand on parle avec quelqu'un, on sent qu'il y a du mouvement. Le langage du corps veut dire beaucoup de choses. Donc ça, c'était une forme d'expression que je pouvais faire passer en art, en quelque sorte. D'accord. Vous allez me montrer tout ça? Je vais vous montrer tout ça avec grand plaisir. Super.